Hausse des prix des produits pétroliers au Togo. L'information communiquée tard dans la nuit du 28 mars a pris effet ce mardi 29 mars 2022 à 0h. Dans les stations-service ce mardi matin, la décision du gouvernement a surpris plus d'un. Ce matin, je suis venu, le prix à la pompe est à 595 francs au lieu de 505 francs normalement. Bon, on ne sait pas le pourquoi ils ont augmenté le prix du carburant. Je viens de constater, quand on mettait, quand on appelle 1000 francs, on a presque 2 litres, mais ce matin, c'est 1 litre et demi, on a comme 1000 francs. On a constaté ça ce matin, vraiment, de jour en jour, les choses s'empirent. Dans la foulée, le gouvernement a rencontré la presse pour expliquer les raisons qui ont motivé le réajustement des prix à la pompe. En conclusion, trois facteurs sont à la source de l'augmentation des prix des produits pétroliers au Togo. Le super sans plomb, qui était de 505 francs, est monté à 595 francs. Le gasoil qui était de 520 est monté à 605 francs. Le pétrole lampon de Casson sont passés à 550. Ces augmentations sont dues essentiellement au nouvel environnement économique dans lequel nous évoluons et puis à la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie. Les principaux pays d'importation de brut ou même de raffiné. S'agissant du carburant, en 2019, le brut était de 18 dollars le baril. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, nous sommes passés de 18 dollars à 110. Voire 120 dollars le baril. Donc une augmentation exponentielle qui a suffisamment fait saigner le budget de l'État. Il faudrait l'avouer. Si les prix sont maintenus à ce niveau depuis, je crois, juillet 2021, c'est parce qu'il y a eu de gros efforts fournis par le gouvernement sur instruction du chef de l'État, un bon père de famille. Depuis cette année 2022, nous avons constaté une augmentation exagérée de la consommation des volumes. Les produits, les volumes que moi je mettais en place dans le cadre de l'approvisionnement, pour 2 semaines, on les consomme en 1 semaine, voire en 3 jours. Cette revue à la hausse des prix de carburant à la pompe intervient dans un contexte de vie chère au Togo depuis quelque temps. Le ministre en charge du commerce et ses collègues des transports et de la communication rassurent des dispositions à venir pour soulager les populations. Nous organisons cette conférence de presse et il y aura une autre sur le même format très très bientôt pour annoncer les mesures d'amortissement que le gouvernement souhaite mettre sur la table pour accompagner ce réajustement du prix des produits pétroliers. Parce qu'on le sait mécaniquement, après cette annonce, l'on va certainement observer ici et là une augmentation du prix de certaines denrées. Une mesure forte est déjà en cours d'opérationnalisation, c'est le plafonnement et la surveillance accrue des marchés. S'agissant de l'impact de cette augmentation des prix des produits pétroliers sur le transport, le ministre Atchadedji se veut rassurant. Nous voulons agir, nous ne voulons pas que les passagers subissent. C'est pour ça que nous allons agir sur la TVM, pour que les taxis, les bus, les transports des marchandises qui n'augmentent pas les tarifs, qui ne répercutent pas. Donc nous agissons sur la TVM. A noter que c'est depuis juillet 2021 que le Togo devrait connaître une hausse des produits pétroliers à la pompe. Mais les subventions de l'État ont stabilisé les prix. On parle de plus de 100 milliards de francs CFA injectés jusqu'à ce jour par le gouvernement.
togolais. Élaboré depuis 2019, le document de la stratégie de communication de la Direction générale de la météorologie nationale DGMN est à l'étape de validation. Dans son rôle de contribuer à la sauvegarde des personnes et des biens par la veille météorologique et climatique, de fournir des informations et services permettant aux utilisateurs de prendre des décisions, la direction de la météo se doit de disposer d'une stratégie et d'un plan de communication fiable et viable. À cet atelier de validation du document, sont conviés aux échanges acteurs du secteur de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, du transport, de l'agriculture et des médias. Depuis fort longtemps, la DGMN, c'est-à-dire la Direction générale de la météorologie nationale, ne possède pas un plan stratégique de communication. Donc pour pouvoir mettre à la disposition de nos utilisateurs les bonnes informations, comment utiliser ces informations-là, il va falloir définir un canevas institutionnel dans lequel nous devrons pouvoir communiquer avec nos journalistes, avec nos utilisateurs et surtout avec nos partenaires. Ce document va nous permettre après tout de pouvoir faire ce que nous appelons l'opérationnalisation, le fonctionnement du cadre national des services météorologiques qu'on avait essayé de faire la mise en place en 2019. Les changements climatiques par les phénomènes météorologiques récurrents continuent d'impacter négativement les vies humaines, l'environnement et les activités socio-économiques. Pour la résilience des populations, la CDAO s'implique aussi dans l'élaboration et la validation de ce document. En 2017 et 2020, la commission de la CDAO a appuyé tous les 15 pays de la CDAO dans la mise en place des cadres nationaux des services climatologiques. Nous avons reçu une demande du Togo, de la Direction générale de la météorologie nationale du Togo, pour un appui qui rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de ce cadre. C'est pourquoi la CDAO a répondu favorablement afin de que le Togo soit le premier pays qui rentre dans ce processus, qui va continuer afin que tous les autres pays puissent bénéficier de cet appui-là et qu'après l'étape de la mise en place, les pays puissent effectivement opérationnaliser leur cadre national de services climatologiques. Doter la DGMN d'un document de stratégie de communication assorti d'un plan d'action et élaborer une feuille de route pour le fonctionnement des organes du cadre national pour les services climatologiques, l'Organisation mondiale de la météorologie n'a pas manqué d'apporter son expertise. La communication, elle est fondamentale. Et particulièrement dans le domaine de la climatologie et de la météorologie, il est important que les producteurs d'informations météorologiques, les utilisateurs d'informations météorologiques puissent travailler de concert et pouvoir donc mettre en exergue un certain nombre de packages qui puissent permettre aux uns et aux autres de mieux se comprendre, de mieux communiquer et de permettre donc une utilisation optimale de ces informations-là pour permettre aux différents utilisateurs de pouvoir donc les utiliser de façon adéquate à mesure donc d'accroître la productivité et également de diminuer donc les risques liés donc à la vulnérabilité et aux extrêmes hydrométéorologiques. Prévu pour 3 jours, l'atelier national de validation de la stratégie de communication assorti d'un plan d'action de la DGMN pour l'opérationnalisation du cadre national pour les services climatologiques du Togo, démarré ce mercredi, prend fin vendredi. Alors que d'autres pays font actuellement face à une envolée des cas de contamination due à la Covid-19, le Togo, lui, semble avoir un contrôle sur la situation. Depuis quelques semaines déjà, les chiffres de contamination sont à la baisse, contrairement au mois précédent. Face à la presse ce mercredi 30 mars, à son habituelle conférence, pour faire le bilan de la situation de la pandémie au Togo, c'est un état des lieux assez encourageant qu'a dressé la coordination nationale de la gestion et de la riposte contre la Covid-19 dans le pays. Pour ce qui est de la semaine dernière, du 16 au 22 mars, nous avons totalisé 27 cas. La semaine d'avant, du 2 au 8 mars, nous avons totalisé 30 cas, du 9 au 15 mars, 31 cas. Donc la semaine dernière, 27 cas, et cette semaine, 34 cas. Et toujours avec 0 décès. Nous pouvons dire que le taux de positivité qui était
à plus de 20% il y a quelques mois et revenu à 0,45% ces derniers temps. Au vu de tous ces chiffres, les cas sont stationnaires, confirmant ainsi cette décrue que nous avons annoncée depuis quelques mois, disons depuis le mois de janvier. Ces chiffres montrent à suffisance les efforts conjugués par les plus hautes autorités du pays et la population quant au respect des mesures pour contrer la maladie. Le coordonnateur de la CNJR a par ailleurs évoqué les nouveaux mécanismes mis en place il y a quelques jours par le gouvernement, notamment au niveau de l'aéroport international Niassingbé Adema de Lomé. Sur le sujet, ce dernier a eu à apporter plus d'éclaircies. Avec l'allègement des mesures restrictives, de vous faciliter dans les voyages, que ce soit chez nous ou ailleurs, où le pass vaccinal est demandé, surtout la vaccination complète. Le gouvernement a annoncé en début de semaine de nouvelles conditions pour les voyageurs, des voyageurs au départ et à l'arrivée de Lomé. Pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet, ces personnes sont exemptées de tests à l'arrivée et au départ. Si à condition que le test n'est pas exigé à la destination finale du voyageur, et puis au départ comme à l'arrivée, les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test PCR. Tous les non vaccinés doivent présenter un test PCR. Et ceux arrivant au Togo doivent se soumettre aussi à un test à l'aéroport s'ils ne sont pas vaccinés. Quant à la réouverture des frontières au Togo, le coordonnateur a aussi évoqué les démarches en cours pour son effectivité dans les jours prochains. Avec surtout les congés de Pâques qui approchent et qui se veulent des périodes où les mouvements de voyageurs peuvent s'intensifier, c'est à plus de vigilance que le coordonnateur a convié la population. Il faut se préparer que dès qu'on ouvre une fois les frontières, même quand il y aura une autre pandémie, il ne faut pas qu'on cherche à fermer. L'OIM, l'Organisation internationale des migrants, est en train de travailler avec nos pays pour l'installation de certains systèmes au niveau des frontières pour que quand il y a une pandémie, on ne ferme plus les frontières. Le Ghana vient d'ouvrir, mais le Togo aussi va ouvrir, mais le Togo est un pays souverain qui ouvrira dès que les conditions seront remplies et je pense que ça ne va pas tarder. À ce jour au Togo, ce sont plus de 2 800 000 doses de vaccins qui ont été administrées. Avec plus de vigilance et une prise en compte des mesures édictées par le gouvernement, l'on pourra venir à bout de cette pandémie et l'éradiquer définitivement de notre quotidien. Des œuvres d'art de qualité représentant ici des hommes et des femmes et autres objets confectionnés pour le public. C'est l'œuvre du génie créateur, artiste-sculpteur James Adoté Akoué, un Togolais de 37 ans qui a la passion et l'amour de la sculpture. Il exerce ce métier depuis plus de 17 ans. Il nous explique ce qui l'a motivé à embrasser cette carrière et le sens des objets fabriqués. Nous fabriquons beaucoup de choses même, chaises à palabres ou chaises de gardien. Ça c'est à bazou, la tête là que vous voyez c'est un penseur quoi. Donc l'autre là c'est une femme expressive, c'est une femme qui était à une position de danse. Et ça a été pris, la photo a été prise à une position donnée. Et l'autre là c'est une secrétaire qui est au bureau, ça c'est la tête du cheval quoi, qui est en train de boire de l'eau. On a fait ça la tête seulement pour que la tête dans laquelle il est en train de boire soit conforme à la tête quoi. Ça c'est abat-jour par exemple, ça vous pouvez mettre dans un gazon, sur terrasse ou autre, la pluie peut tomber sur ça et ça ne va rien faire. Le secteur de la sculpture est en pleine évolution au Togo. De nouvelles méthodes et techniques de fabrication sont utilisées avec de différents matériels. Les outils que nous prenons pour travailler, nous commandons ça quoi. Il y a certains qui amènent ça en Chine et nous achetons et d'autres aussi fabriquent ça ici, c'est-à-dire les forgerons de chez nous aussi, eux aussi fabriquent ça. Nous utilisons aussi les machines quoi, par exemple les tronçonneuses pour découper quoi, avant d'aller avec le ciseau. Les artistes sculpteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Difficultés qui les empêchent de mener à bien leurs activités. Des doléances sont formulées à cet effet pour leur venir en aide. Une fois que les clients ne te commandent pas, tu es obligé de produire. Et pour en Chine, là, toi-même vas te forcer. Tu vas faire tout et tout pour trouver de l'argent pour acheter. Sinon, sans les outils, tu ne pourras pas. Si
nos dirigeants peuvent nous aider côté financièrement, comme ça, ça va nous aider à encore produire encore plus, quoi. Par exemple, l'achat du bois, les matériels, tout. C'est pour mettre en valeur le métier des arts au Togo que le gouvernement a créé le Miato. Une vitrine pour les acteurs, y compris les sculpteurs, de se faire connaître et mettre en avant leurs talents.